Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous êtes bien accrochés à votre siège parce que on va aborder beaucoup de choses lors de cette vidéo. Ils ont été annoncés, les personnages de la collab ainsi que le nouvel ML qui est Céline. J'en dis pas plus, je vous laisse tranquillement regarder les teasers des personnages et on se retrouve juste après. デストロイの二つ名を持つ魔王ミリムナーマなのだ。俺の仲間に手を出すのは許さないぞ。俺の名前はリムルテンペスト。しばらくここで過ごすことになった。だからまあよろしくな。とても無礼な行いです。この辺でお引きになってください。リムル様がお認めになった方ならば私も信用いたします。今後ともどうかよろしくお願いいたします。ワンダリングソウルグラントミーパワー。How shall I address you? I'd like to call you by a special name that only I know. Pour Limul ou Rimuru, tout dépend de la version que vous utilisez. Il va y avoir 1119 d'attaque, 6266 d'HP, 109 de speed, 627 de défense, 15% de CC, 150% de DCC, 5% de dalle ainsi que 0% de R et d'efficacité. On aura une imprint ER avec une imprint en concentration qui sera cernée sur l'attaque. C'est un guerrier terre. On va commencer par son S2, donc c'est une capacité non offensive. Après avoir attaqué avec une attaque qui n'est pas une attaque de base, si la cible bénéficie d'un bonus, duplique deux de ses bonus et les confère à tous les alliés, même si l'attaque n'atteint pas sa cible. Cet effet ne s'applique pas aux bonus non dissipables, donc tous les buffs uniques. De plus, lorsqu'un allié subit une attaque de la part d'un ennemi bénéficiant d'un bonus, utilise Prépare-toi contre l'attaquant, donc c'est un counter en passif et ça ne se peut s'activer qu'une seule fois par tour. Et ensuite le RS2, prépare-toi, fonce rapidement pour attaquer l'ennemi, augmente l'ardeur au combat de l'émule de 30%. Le S3, Devour Tout, flamme noire, comme dans l'animé, attaque l'ennemi avec des flammes noires et inflige 5000 de dégâts fixes en supplément lorsque l'attaque est réussie. Les dégâts augmentent proportionnellement au nombre de bonus de tous les alliés et ce jusqu'à 10 000. C'est énorme pour lutter contre les violets. Et si la cible bénéficie d'un bonus, réduit la défense de tous les ennemis pendant 2 tours. Et ce n'est pas affecté par les éléments. Donc c'est très clairement pour lutter contre les violets et ça réduit la recharge de 2 tours si vous utilisez le burn. Et ensuite le S1, bien on y va, entaille l'ennemi pour attaquer et confère un bonus aléatoire à l'immule pendant 1 tour. Le bonus aléatoire peut être parmi l'immunité, l'augmentation de l'attaque, résistance ER au coup critique et résistance d'effet. Ensuite au niveau de l'artefact, le masque anti-magie, donc à 50% de chance de donner un buff aléatoire au niveau 1 pendant 2 tours, immunité, attaque buff, un buff de défense, CC et buff de vitesse, et jusqu'à 100% au niveau 30. Donc je pense relativement que l'immul doit être assez rapide, peut-être lifesteal, franchement il faut que je réfléchisse à tous les builds possibles. Mais on se tiendra au courant très vite. Ensuite, on va passer à Milim, qui est aussi un mage feu, d'accord, avec le cancer en termes de signes astrologiques. Elle a 1359 d'attaque, 4895 de santé, 110 de speed, 652 de défense, 23% de CC pour 150% de DCC, avec 5% de dual et 0 en ER en efficacité. Au niveau de l'imprint, on est sur de la dual à 3% supplémentaire et en concentration, attaque à 18%. Au niveau de ses capacités, nous avons les yeux de dragon qui est son S2. Donc au début du combat, à 100% de chance de se conférer vue du dragon pendant un tour. Et qu'est-ce que ça fait vue du dragon? Et bah ça augmente le esquive de 20% et le coup réussi de 20%. Ça ignore la résistance d'effet. Et si la concentration est au max après une attaque, consomme entièrement pour utiliser explosion d'étoiles dragon briseur. Chose à savoir, c'est que ça enlèvera 10 âmes pour le buster. Et ça ne peut pas être débuffé. Ensuite nous avons le S3, la peur du dragon, attaque l'ennemi en libérant du mana et inflige extinction, augmente les dégâts, les chances d'esquive, excusez-moi, de Milim pendant 3 tours. Les effets de partage de dégâts sont ignorés
si l'ennemi est ni un monstre ni un Lilith. Et ensuite nous avons le S1, plongeon du dragon attaque l'ennemi absorbant une partie des dégâts infligés en santé avant d'augmenter son attaque pendant un tour. Donc tout simplement avec le S1 vous mettez des âmes dessus, donc avec un lead d'attaque gel, vous faites le burn, vous pourrez faire le S1, gagner un attaque buff et ensuite faire le S3 tout simplement pour faire un maximum de dégâts. Ensuite au niveau de l'artefact, quand le lanceur subit un coup non critique, à 15% de chance de faire une contre-attaque et au niveau max c'est jusqu'à 30%. Donc c'est à dire que si vous la stuffez au niveau counter, je pense qu'elle a une haute chance de counter, ce qui peut être très très fort. Et Minim sera disponible à partir du 4 novembre, c'est à dire qu'on aura une semaine de décalage. Donc ensuite nous avons Shuna qui est le personnage gratuit de la collab, c'est une Soul Weaver, une tisseuse d'âme feu du signe des Gémeaux avec 649 d'attaque, 5254 de santé, 103 de speed, 694 de défense, 15% de CC, 150% de DCC, 5% de dual, 0% d'efficacité et 18% de R. Au niveau de l'imprint nous avons 10,8% en plus et au niveau de la concentration c'est de l'ER avec 27%. Nous avons directement le S2, éclosion du lotus, elle dissipe 2 malus à tous les alliés et ensuite égalise à leur santé avant de conférer une barrière pendant 3 tours. La force de la barrière est proportionnellement à la santé max de Shuna, donc plus elle aura de santé, plus la barrière sera forte. Ensuite nous avons le S1, déflagration de mana, attaque l'ennemi en manipulant le mana et restaure sa propre santé et les dégâts est infligés et les soins augmentent proportionnellement encore une fois à la santé max de Shuna. Sous burn, elle a un extra tour. Ensuite nous passons au S3. Le sort de sommeil utilise la compétence en consommant 5 de concentration. Elle dissipe 2 bonus à tous les ennemis en faisant envoler les pétales de fleurs comme on peut voir sur les images. Et ça inflige 2 pendant le sommeil pendant 2 tours jusqu'à 85% de chance. Au niveau de son artefact, c'est un artefact qui augmente l'ER jusqu'à 20%. Ça augmente l'efficacité de 15% et ça ne peut pas être attaqué plus de 3 fois. Et bien sûr, Shuna sera obtenable pendant la side story, d'accord ? On pourra tout simplement la farmer pour l'éveiller et la full imprint. Et ensuite nous avons Spirit Eyes Céline, tout simplement la nouvelle ML qui va arriver dans la nouvelle rotation. Donc c'est une voleuse light signe du Sagittaire, elle a 1158 d'attaque, 5016 de santé, 122 de speed, ce qui est une très haute speed de base, 532 de défense, 27% de CC, 150% de DCC, 5% de dual et 0% d'efficacité pour 0% de R. Au niveau de l'imprint, on est à 17,4% de R et au niveau de la concentration, c'est du CC avec 16,8%. On commence le kit par son S2 sixième sens. Les dégâts subis ne dépassent pas 51% de la santé max. Ce taux est basé sur le niveau d'amélioration de la max de la compétence. De plus, lorsque quelqu'un meurt, il réduit la recharge d'un tour et obtient sa cam. Les effets produits à la mort de un héros ne peuvent s'activer qu'une seule fois par tour. Ensuite nous avons le S3, Fury possédée, ouvre la porte des âmes, dissipant tous les menus de Céline, vision d'esprit, et la rend possédée pendant 3 tours. Ressuscite tous les morts alliés, avant de conférer l'immortalité à tous les alliés pendant un tour. Possession ne peut être dissipée, et permet de contre-attaquer en cas de coup critique subi, et dès lors de l'attaque, absorbe une partie des dégâts en santé. Et ensuite nous avons le S1, frappe surpuissante, attaque l'ennemi avec le fourreau lors de l'utilisation de la compétence s'il n'est pas déclenché par une double attaque à 35% d'utiliser l'âme rapide au lieu de frappe surpuissante et les chances d'effet doublent si Céline a vision d'esprit possédée. La lame rapide dissipe un bonus du mode du lanceur avant d'attaquer rapidement l'ennemi et infiltre la défense de la cible de 35%. Donc à chaque fois qu'elle sera sous son buff, elle pourra faire cette attaque là et ça confère un tour supplémentaire en utilisant le burn. Donc là je vais voir avec vous directement ce qui a été annoncé durant le live. Donc bien sûr demain il y aura une maintenance et ça va nous permettre ensemble d'attendre bien sûr impatiemment la sortie de la side story ainsi que de la collab. Donc là vous avez vu l'écran d'accueil qui va changer. Donc ça sera du 28 octobre jusqu'au 18 novembre. Et l'histoire secondaire qui va s'ouvrir, c'est la compétition de cuisine. Donc la side story va durer 3 semaines. À chaque semaine, il y aura bien sûr, comme d'habitude, sa récompense. Et les personnages en bannière seront up d'une certaine manière. Au niveau du farming, on n'oublie pas, la version normale, c'est si vous voulez farmer l'XP pour avoir des pingouins.
le niveau extrême sert à voir la monnaie du jeu si vous voulez l'avoir très rapidement. Il va y avoir aussi un buff de chasse ce week-end. Donc il faut savoir que pour la première semaine, ça sera Limul qui sera disponible en bannière, Shuna étant un personnage gratuit. Donc il sera disponible du 28, donc de demain, jusqu'au 11 novembre. Et pour ce qui est de Milim, elle sera là du 4 novembre jusqu'au 18 novembre. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y aura aussi demain les buffs. Donc je rappelle les personnages qui vont être buffés. Il va y avoir Emelka Warwick, Eda, Bloodblade, Karine, ainsi que Yuffine RGB. Bien sûr, si vous souhaitez voir en détail les buffs en question, je vous invite à regarder ma vidéo qui en parle, que j'ai sortie la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a aussi les nouvelles expéditions qui vont arriver à partir du mois prochain. Et il va y avoir l'expédition Light qui va sortir. Alors personnellement, je préfère pas m'attarder dessus, tout simplement parce que je ne suis pas un expert au niveau du PvE. Mes mates pourront vous le confirmer. Donc je préfère vraiment pas en dire plus. Il va y avoir un renouvellement au niveau de la boutique de pièces. Donc ça sera Tamarine et Charles pour la boutique RGB, ainsi que Riolet et Briseria pour la boutique DML. Donc comme je disais au niveau des stats, maintenant les stats seront affichées. Donc là vous pouvez voir que le Reroll Shop, on a les stats exactement de chaque item qu'on peut y trouver. Il y a aussi les stats au niveau des familiers, d'accord. Les stats au niveau des gears des rolls. Et bien sûr, il va y avoir des packs. Donc là, il y a le pack d'éléments 1 et 2. Je ne pense pas forcément qu'il y aura besoin. Donc le pack progression va bien sûr maintenant changer. Dans le pack progression 1, il va y avoir bien sûr des runes, de l'or, ainsi que des pingouins et des catalyseurs rares. Et dans le niveau 2, maintenant, il va y avoir des catalyseurs épiques, des molagora, très important, des gold, ainsi que des runes épiques. J'en parlais aussi en début de vidéo. Les stats au niveau des rolls des gears seront révélés. Donc au niveau de la page d'Epic Sub, il y a toutes les informations que nous avons besoin. Donc là vous avez vu qu'ils remettent à jour les types de proc possibles, les types de stats qui sont possibles par rapport en fait tout simplement à l'emplacement. Vous avez l'ajout des stats qui est ici disponible, ainsi que le taux tout simplement de passage au niveau de ces rolls. Et enfin, pour fêter les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube, ils ont fait un coupon qui sera disponible dès l'instant où la vidéo sera sortie, d'accord? Il est disponible tout de suite. Vous avez juste à marquer ce code qui est juste là, donc EPIC7YouTube100K, directement en haut à droite au niveau de l'événement. Donc je vous montrerai. J'ai eu les informations de certains de mes mates qui disaient que sur Apple, il n'y avait pas le petit morceau marqué de coupon. Donc je vais essayer de me renseigner et je marquerai l'information en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette fois, il y avait quand même beaucoup de choses à dire, les personnages ainsi que les différentes informations liées au jeu. Bizarrement, il n'y a pas de pack de collab, ça m'a surpris vraiment beaucoup, dans le sens où il n'y a pas de pack dédié à la collab, c'est plus le pack progression. Bon, il y a quand même des Molagora, je pense que je vais le prendre. Nous avons aussi diverses informations sur les rolls, ce que tout le monde attendait. Ils ont annoncé aussi que vu la plainte de certes beaucoup de gens, par rapport aux 4 stars, pendant les bannières ML, il y aurait des changements là-dessus par rapport à la Light Angelica. Il va y avoir aussi plusieurs changements qui vont arriver par rapport aux bannières, etc. Donc franchement, plein de choses qui vont se passer. On se tient en courant. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. N'hésitez surtout pas. Je vous rappelle encore une fois que la vidéo FAQ et setup pour fêter mes 500 premiers abonnés va bientôt sortir. Courant la semaine prochaine, n'hésitez pas à prendre le lien du Discord tout simplement pour mettre une question si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. C'était Tsikas pour vous servir, et ciao.